Maintenant, la VOD est lancée. Et du coup, ouais, pour répondre de Trapiz, c'est vraiment... C'est... j'ai l'impression... Ouais, l'état US classique sur QWERTY. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend quand même. Si tu préfères... Mais si tu prends la taille que t'as l'habitude de prendre, c'est censé le faire. Voilà. Merci beaucoup, petit Jox. Merci. Retour dans le culte. Et très bonne nuit à toi. Bonne fin de suite de semaine. Fin de semaine. Merci pour le raid. Tout à fait. Il faudrait un truc raid. Avec des oiseaux. Ouais, faut que... J'ai trop de choses à faire, mais je vais essayer d'avancer un petit peu cette semaine et la semaine prochaine. On a des choses à préparer. Alors, on a... Oh la vache, oh la récolte. Ça avait bugué aussi, la récolte de bois. Ils voulaient plus récolter de bois, mais les adeptes, je sais pas pourquoi. On va faire un petit peu à manger. Pour nos adeptes, hein. Voilà. Bon, de toute façon, ça périme pas, donc je vais en faire 12. Hein. C'est pas ce que je me disais, il y a une alarme de voiture dehors. Et j'avais l'impression que c'était le fond de la mélodie, mais que je trouvais vachement désagréable par rapport à d'habitude. Voilà, ça c'est fait, ils vont aller bouffer ceux qui auront besoin en tout cas. Et ensuite, faut j'accomplis le rituel, j'accomplisse le rituel du travail nocturne, je pense qu'on va le faire ce soir. Et ensuite... Ah oui, je suis dans mon propre culte, trop bizarre. Très bizarre cette phrase aussi. Je vais faire un truc... Ah oui, on va enrôler la recrue après. Pas compris, mon raid a été annulé sans raison. Oui, ça me l'a fait des fois. Ou ne pas se lancer. Pourquoi on a réduction de cette taille depuis 2-3 mois. Je vais prendre celle du dessous. Bah clairement, ouais. Elle, moi, je le trouve grand pour un L, en vrai. Un petit peu grand par rapport à ce qu'on trouve en magasin. Donc M, ça devrait rouler, hein. Du coup, on va faire le petit rituel déjà. Et puis on va enrôler nos nouvelles recrues. Je vais voir si vous êtes chaud dans le chat pour intégrer le culte. Parce que sinon, bah c'est ballot. Le travail nocturne. 2 jours entiers sans se fatiguer, let's go. Et après, on va faire le truc qui permet d'augmenter leur foi. Parce que ça, ça va la faire baisser. Ou en tout cas, ça va faire baisser leur ferveur. Donc voilà. Un petit serment. Merci pour le culte en... Pour le totem. Chaud, mais t'es déjà là toi, Lys. Bon, en tout cas, faut que je te ressuscite si t'es pas déjà là. Ah oui, on est presque. Le totem Twitch, il est presque rempli. Et du coup, pour ceux qui savent pas, ça donne droit à des ressources aléatoires. Ce qui est plutôt bienvenu en général. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Faut que je prenne le cadeau de machin. Là, j'aurais bien sacrifié, mais bon. Je crois que les sacrifices, faut que j'attende que ça... Les rituels de sacrifice, faut que j'attende qu'ils... soient up. Voilà, je vide les toilettes. Mais faut que je mette quelqu'un ici ou pas? Normalement, il y a quelqu'un qui doit être... Tiens, je vais mettre Pitou. Déjà, je vais faire ça. On va augmenter sa fidélité. Et ensuite, je vais l'envoyer au nettoyage. Voilà. Parce que j'en ai marre de le faire. C'est chiant. Ensuite. J'espère qu'il reste des graines. Non, il reste pas de graines ici. Ah merde, c'est chou-fleur ici normalement. Oh, c'est pas grave. Pas grave, je confonds tout de toute façon. Je veux augmenter un peu la fidélité par-ci par-là des gens. Bonsoir Skarm. On se va. Les adeptes sont chauds du culte. Faut dire que les adeptes sont chauds du culte, c'est un peu trop. Je ne peux que plus soyez cette conclusion enfin.
Bouffe ou pièce? J'ai que 68 pièces. Pas beaucoup. On va chercher quelqu'un. 87% de m'emmener des pièces, Grision. Mais ouais, mais c'est mon... C'est mon récolteur de thunes. J'ai pas envie de le faire partir. Kuzake. Kuzake est pas mal aussi. 86%. Allez, on va envoyer Talimir me récolter des thunes. Ensuite, faut que je craft, faut que je fasse transformer des ressources. Voilà. Et du bois transformé, ça il en faut toujours. Il y en a vraiment pas beaucoup. Parce que sinon je peux plus rien construire ou plus rien améliorer. Donc on va faire ça. Pendant que ça se fait, et vu qu'ils vont bosser, je vais aller dans un premier temps faire un petit donge. Oh merci! On prend la récompense Twitch. Merci beaucoup! Merci Jux d'avoir fait le dernier qui manquait. Et du coup, récolte de bouffe, et ça c'est bien vu qu'ils vont bosser toute la nuit. Et ben ils auront sûrement faim et ça me donne beaucoup de... Oh putain, ça me donne beaucoup. Ouais, je peux faire beaucoup de plats. Je vais faire... Est-ce que j'en fais? Franchement, c'est quasiment full la bouffe. Je vais pas faire de bouffe maintenant. Je vais faire en rentrant. Je vais les nourrir en rentrant. Là, on va prendre un petit mob. Des projectiles vers l'ennemi plus proche. Faut que j'augmente un petit peu la ferveur des gens, là. Ah, ça, c'est Fion, ça. Surtout que, bon, quand je fais le donjon, et ben le gars du... Le boss, souvent, il aime bien envoyer des maléfices à mes habitants. Ce qui fait que, bah, ok, je les ai nourris et tout ça avant de partir, mais ça sert à rien parce qu'il a envoyé un maléfice qui les font vomir ou... qui font que qu'ils sont affamés ou des trucs comme ça, donc bon, quitte à ce qu'ils soient affamés, autant pas les nourrir avant. Enfin, c'est bizarre comme phrase, mais je me comprends. Il y a la récolte à fond. Ah oui, faut que je vois aussi si Grision il a récolté des sous. Attendez, on va regarder ça. Combien? 21. Très bien ça. Voilà. Je pense un petit peu à la ferveur de temps à autre. Et putain, personne ne s'occupe de ces chiottes, ça m'énerve. Ah mais du coup, oui, il travaille cette nuit. Donc ça, c'est bien. Non. Ah, déjà fait. Et quand je les inspire, ça augmente leur fidélité. Et augmenter leur fidélité, c'est bien parce que ça leur permet d'être utile à plein de trucs. Plus utile à plein de trucs. On va juste envoyer quelqu'un en mission. Si j'envoyais Fion. Qu'est-ce qu'il pourrait me récolter Fion? Des os? C'est bien ça, non? Des os, des pièces. Des pierres, du bois. La boue. Oh vas-y, je l'envoie chercher de la bouffe. Allez, vas-y Fion. Ah, je peux améliorer un de mes trucs. Oh, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse quelques décos. Des décos terrifiantes. Je vais voir si j'en débloque un peu. La recrue. Bah attendez, on est combien? On est 16? Allez, vas-y. Parce que je vais être sûr qu'il y ait assez de participants. Donc attendez, je vais faire la recrue. Attention, attention, il va y avoir le truc. Alors, pour ceux qui veulent savoir, il a plus 10 de foi en me rejoignant, moins 20 de foi, moins 10 de foi s'il tombe malade, et gagne de la foi lorsqu'il a de meilleurs abris. Pour le moment, j'ai des bons abris. Voilà. Attention, tirage Twitch, vous pouvez participer afin de personnaliser cet adepte et de lui donner votre pseudo. Ceux qui sont déjà dans le secte, dans le culte, la secte, hein, ne peuvent plus participer. Les rendu riche, oui, effectivement. Bah oui, t'es celui qui récolte les donations, on va dire. Tu es un peu mon PayPal. Attention, je vais commencer le tirage. Pour tous ceux qui n'ont pas d'adeptes, vous pouvez, à condition d'être sur PC. 3, 2,
1, j'attends un petit peu parce qu'il y a un décalage. Let's go. Les Diox ! On commence à réunir la team Albatros là. Même si idéalement il faudrait Min, GG en plus aussi. Même si c'est pas la team Albatros, c'est Albatros de cœur. Je peux plus être dans ton culte. Tellement bien dans ton culte. Tu y es déjà, t'inquiète. Oh, un petit requin. J'avoue, c'est un de mes préférés. Et le voilà. Nous acceptons Jox parmi nous. Est-ce qu'il a un lit? Avant de me barrer en mission, faut que je vérifie qu'il ait bien un lit. Déjà, je vais le... Je choisis quoi? Allez, les parcelles agricoles, mais avant, j'aimerais bien l'inspirer un peu. Albatros à 20%. C'est son lit, ça? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Des contributions au totem chelou. Ok. Je vais du coup faire quelques plats, en fait, avant de partir, quand même. Genre... Un plat de viande supérieure. Je vais en faire un. De toute façon, je peux en faire qu'un. Voilà, je fais 5 plats. Je vais nourrir que les plus... Non, les plus affamés. Mais oui, d'habitude, je spam clic. Ils vont tous bouffer. Je vais refaire des plats, Tant pis, Je les renourrirai en revenant. Voilà. Go bouffer et faire des trucs. On va partir en mission dans un donge. Tic. Avec qui du coup? Je pense que ça va être encore Infernal Angelus. Récupère automatiquement la ferveur, ça peut être utile, mais... les cibles qui explosent, ça peut être pas mal. Non mais je vais prendre l'Orcus. Il est bien l'Orcus. Il fait mal. Pas d'Albatros dans ton cul, dans ton culte. Non, j'ai pas voulu l'habitude. Tu vas t'habituer. Quoi? Comment ça? Comment ça ils sont pas contents? Bon, avant de partir, je vais faire un sermon pour qu'ils soient un peu plus contents. On saoule là, enfin la tronche. Hop! Les armes divines! J'ai hâte de voir ce que ça fait, les armes divines. Bisous, petit Jox! Bon dodo! Bon courage pour demain! Salut, les petits cultes! Salut, Paris de diffuseur! Ah, voilà, c'est bon, je vais augmenter leur ferveur. On peut se barrer. On va enfin dans un donge. Est-ce que je peux ouvrir. Ah, je peux y aller là! Non mais je veux pas l'acheter. Mais avant d'y aller, je vais continuer à explorer un petit peu celui-là. Parce que voilà. Il m'a chauffé pour le 19 car elle est dispo. Ah ! Ah bah tu me dis si ça se confirme, hein. Normalement, mon 19 c'est bon. La vraie, j'en peux plus de cette blague, c'est l'âge. Écoute, tu l'as faite quand même, hein. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme caractéristiques. En tout cas, on me file tout le temps la hache maintenant. Bim! Ah! Je sais pas comment me mettre. J'ai mal aux reins depuis hier. Hier soir, j'avais déjà mal aux reins, mais je pensais que c'était le dos. Apparemment, c'est plutôt les reins. Et du coup, je sais pas dans quelle position me mettre pour pas avoir mal. Du coup, c'est médecin de merde. Merde.
ne vise pas. J'espère que ça ira vite mieux. Bah ouais, j'espère que ça ira grave parce que... Parce que voilà, c'est pas le premier souci que j'ai à ce niveau-là et là j'ai l'habitude de... Quand c'est dû à une infection, je me rends compte avant. Là, j'ai pas eu de symptômes particuliers à part ça, donc je sais pas. J'espère aussi. Et du coup, je viens parano. Voilà. J'ai une pyélonéphrite et ça m'a rendu complètement... ça m'a traumatisé. Bonjour, Sacrifixion. J'étais influencé. J'ai pris un t-shirt sur Perti. Écoute, j'espère qu'ils te plairont. Je trouve qu'ils vieillissent bien. C'est pas des t-shirts qui, voilà, tu vas pas garder le motif éternellement, mais on en a depuis plusieurs années et je trouve qu'ils tiennent quand même très bien pour des trucs collés. Voilà, donc j'espère qu'ils te plairont. Je peux pas annuler, merde. Du coup, je gâche de la ferveur pour R. De la moula. Ah. Bah si ça m'est arrivé, j'ai même fait des calculs rénaux. Purée. Ah oh, les calculs, ça a l'air d'être le pire truc hein. J'ai pas été jusque là, mais j'ai été ouais, jusqu'à la pyélonéphrite et c'est vrai que ça a pas été soigné en un seul coup, ça a empiré après, ça a été vraiment fièvre, cloué au lit et tout. Et ça m'a après niqué les reins, donc voilà. Maintenant, dès que j'ai un peu des gènes à cet endroit-là et tout, je flippe vite. Mais du coup, j'ai pu avoir une place pour demain chez le médecin, donc voilà. En espérant que ce soit optimiste. Dégâts de poison, je prends des dégâts de poison. Misriki a contribué au totem, merci Misriki. Comment tu vas Misriki? Je viens par nous, on voit mal partout. Bah c'est surtout que... quand il s'agit de douleurs au niveau des reins, dès que j'estime que ça pourrait être une infection urinaire, tout de suite, ma douleur va amplifier psychologiquement. Et elle va devenir obsessionnelle. Là où, pendant toute la journée, j'aurais pris ça comme une douleur de dos, par exemple, et j'aurais réussi à passer toute la journée sans trop y penser. Enfin, voilà, comme une petite douleur de dos peut être chiante quand même, mais c'est tout, quoi. Mais dès que je vais envisager le fait que, tiens, ça peut être une infection urinaire, là, tout de suite, la douleur devient beaucoup moins supportable. Parce que j'ai peur que ce soit ça, et que je sais que plus t'attends, plus ça empire, et plus c'est... Bref, voilà. Traumatisme, quoi. Ils sont pas aussi beaux que ceux avec le logo leur CV. Mais effectivement, mais c'est un bonus de charisme à lui tout seul, ce logo. Que veux-tu, hein? En plus, il me va pas fatement, celui que tu m'as offert, alors que veux-tu? Et Curino, c'est comme si on t'enfonçait une épée dans les reins. Ouais, on m'a dit ça. Mon copain et mon papa en ont eu. Et ils m'ont dit, mais j'ai jamais ressenti de douleur comme ça, en fait. Et ils savaient... En tout cas, pour mon père, quand ça lui est arrivé, il savait pas du tout ce que c'était. Et genre... C'était la flippe, un peu. Un cœur rouge. Ah mais non, c'est un heal, c'est pas un cœur. Mais quel con, fallait que je prenne un cœur bleu, je me déteste. Ah, comment ça, mon cœur? Si je ne peux l'offrir à quelqu'un. J'ai pensé le garder jalousement toute ma vie, puis j'ai eu deux enfants. Alors j'ai découvert le grand amour. Et pourtant, par un triste jour d'été, mes précieux enfants m'ont été enlevés. À présent, paraît-il, pour la plus grande des divinités, celui qui attend. J'ai pleuré, j'ai supplié. Mais comment aurais-je pu m'opposer à un dieu? Où qu'il soit, j'espère qu'ils sont dévoués et aimants. Il est plus aimant que moi, j'imagine. Vous avez gagné un démon, merci beaucoup hein. C'est trop triste. Cadeau, apparence adepte, plan, ambroisie. Apparence adepte, hein, c'est le plus important. On dirait un petit ours, tiens, non?
J'ai dépensé facile 30 pièces pour cette merde. Alors ça va m'être utile, mais c'était pas une run que je pensais mener très loin. C'est juste histoire de récolter un peu des trucs. Parce que bon, j'ai pas envie de rusher le jeu. J'ai envie de faire un joli camp. J'suis un peu deg là. Heureusement, je vais avoir double de pièces apparemment, double de récompenses. Oh, je suis deg. Arrêtez d'en parler, sinon tu vas se manger en plus. Oui, ça c'est vrai. T'as tout à fait raison. Il faut que je n'y pense pas. J'y pensais pas trop pendant que je jouais à aggro et ça allait, même si je sentais que selon la position, c'était. Ça tirait un peu plus, mais voilà. Donc tu as raison, je me concentre sur le jeu, j'y pense pas. C'est le pire truc de dire j'y pense pas, parce que forcément, quand tu dis je pense pas à un truc, en fait, t'y penses. Mais bon. J'ai jamais eu la solution à ça. Typiquement quand j'essaye de dormir et que je me dis qu'il faut que je pense à rien de spécial et surtout pas au fait que je dors pas. Je pense qu'à ça. Jamais trouvé la solution. À part écouter la musique de création de Mi sur la Wii. Voilà. Ça, c'est la musique qui, je trouve, par contre, arrive à bien faire le vide. J'ai bien la musique des fous. J'arrête de lire le chat pendant que tu... Ah, vous gueule. C'est pas vous le chat, hein. Chier, quoi. Chier. Pris des dégâts nuls. Rien. Je sens bien que la suite est en bas. Que du coup, c'est mieux que j'aille là d'abord. Oui, voilà. Oh, la moula, j'adore la moula. Une lanterne de cristal, voyons. C'est joli, non. Et je commence à avoir des décos. Faut que j'en mette, hein. Ça augmente la ferveur de mes... de Mimi, j'allais dire, de mes adeptes. De meuf matrixée. Un cœur supplémentaire, et ben je prends. I take it. I take your heart. C'est pas ta faute, Chrisso, je tape pas sur toi enfin. Ah! Non! Oui, achevé par mon démon infernal. Double des pièces gagnées. Est-ce que c'est pour tout l'étage ou pour toute la pièce? Normalement, c'est pour tout l'étage. Trop bien. Mais bon, j'arrive à la fin de l'étage, là. J'ai trop le chat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Mais bon, c'est bien, quoi. C'est aussi ça, la beauté du Twitch. Et puis, c'est tentacule. J'aime pas les tentacules. Ça, y a pas assez de portée, donc non. Je garde mes trucs. Merci pour les contribs. On a des motos utiles, on dépasse nos fonctions. C'est ça qui est beau. Ah, je prends des risques inutiles, quoi. Pour le laisser venir, je le laisse pas venir. Nettement plus de dégâts que les armes ordinaires. Oh, bah je prends, hein. Évidemment que je prends. Ça me dit juste, ça fiche vachement plus de dégâts. Alors c'est limite, c'est comme s'il y avait écrit cette arme est vachement mieux que l'arme pourrie que vous avez en fait. Prenez-la. Je serais con de pas la prendre. Moi j'ai compris comme ça.
bordel. On est en arrière parce que il y a une pièce, enfin une salle ici que j'ai pas faite. Voilà, je me doutais. Il y a une deux fois plus de ferveur envers des ennemis. Double les soins reçus. La ferveur parce que mon arme bien, ma seconde main là, enfin mon arme à distance. Du coup, ça me va de gagner plus de ferveur. Un adepte qui apporte vieillesse. Ah bah je sais lequel c'est, oui. Mais c'était pas un adepte issu de des votes Twitch, alors c'est pas grave. Nickel. Ah oui, la ferveur c'est bien. Non non non. Oh bordel. L'araignée elle m'a piqué un cœur, elle est partie avec, mais what the fuck. Je l'ai pas pris hein. Les araignées elles volent aussi même dans... Ah les araignées c'est voleuse. Ah aujourd'hui au taf il y en a une qui a fini dans mes cheveux. Enfin pas vraiment. En fait c'était à l'extérieur, j'ai posé des cartons en attendant qu'on puisse les sortir demain, je crois, je sais plus, bref. Pour la poubelle. Et du coup je m'avance et je me rends compte qu'au niveau de ma mèche là qui pendouille un peu, il y a un truc qui bouge. Et en fait, c'était une araignée un peu dans les tons jaune-marron un peu. Pas très grand, dans le truc un petit peu... truc un petit peu comme ça, avec les pattes écartées, quoi. C'est pas un truc immense. Et elle était en train, en fait, de se bouffer une mouche. Et mes cheveux s'étaient accrochés dans sa toile. Et sa toile, parce qu'elle était immense. Et donc, j'ai essayé doucement d'enlever la mouche. Était pendu à son fil, sa toile était d'une solidité. Et du coup elle était un peu accrochée à un fil derrière, du coup bah ça lui fait peur quand je touche, donc elle s'en va. Et en fait du coup je finis avec sa mouche qui était une proie et j'essaie de l'accrocher comme je peux à sa toile qu'elle avait déjà. Et elle l'a retrouvée et j'ai vu que après, au loin, quand je commençais à partir, je voyais un petit point, un truc qui pendouillait et qui faisait tout le long d'un fil, mais franchement le fil il faisait peut-être 2 mètres de long. En plein milieu de la cour, pour transporter sa mouche qui faisait sa taille en fait. Et c'était rigolo, j'ai essayé de la filmer, mon portable et il a du mal avec la macro, il en peut pas. Faut que je change ça un jour. Mais bref, c'était une scène rigolote. Je voulais dire à ma collègue pour qu'elle fasse attention en sortant des cartons parce qu'elle a très peur des araignées. Et je me suis dit bah on verra. En vrai, quand j'ai voulu lui dire, j'étais interrompue par un truc et je lui ai pas dit après. Voilà. Je suis bon. Je le saurai vite hein, si elle l'a vu. Je serai vite au courant. Voilà, je suis dans le mauvais. Oh non. Bim. Je veux pas de nouvel adepte, fais chier. Ah, elle a trouvé l'araignée, oui c'est ça. Ce serait exactement ça. Y'en a que la collègue qui est parmi nous dans le chat. C'est trop drôle. Y'a très peu de chance, mais ce serait trop drôle. En l'or, je pense. L'or ou le bois? 19 de bois. En l'or. Les pièces, c'est quand même. C'est quand même super important. Ah oui. Aux gens, t'as raison, mais bon, ça va être le bordel, je pense. En arrivant, on aura un cadavre. On aura sûrement des machins meurs de faim. Enfin, bref, enfin. Et
Ils auront bossé toute la nuit, donc niveau ferveur, ils vont être tout déprimés. On va voir ça. Ouais, je m'en doutais. Voilà, ils vomissent tous. Parce qu'il y en a un qui est mort. J'essaie de le choper. Cassez-vous tous, s'il vous plaît. Et je devrais faire cannibalisme, mais j'ai pas eu le temps. Je vais le mettre dans une tombe de ressuscité, là. Ensuite, je vais envoyer quelqu'un tout nettoyer, toi, par exemple. T'inspirer d'abord. Ensuite, je vais t'envoyer tout nettoyer. Ah ! Je vais réparer ça. Tu n'as pas aimé les araignées vigilantes dans les films ou les séries? Effectivement, elle m'a même parlé d'un film d'horreur qu'elle a vu quand elle était jeune. Avec une araignée géante, il l'a marqué de fou. C'était peut-être même un de ses premiers films d'horreur. Et ça a bien marché. Je fais ça, ça va être bon. Ensuite, toi aussi, je vais t'envoyer dodo. Non. Envoyer dodo, je me suis trompée. Ok, toi. Si t'es enterré, si t'es ressuscité. Ah, c'est le credo, hein. L'araignée géante, récemment dans la série Lock and Key. Et que... C'est bien fait. Tout malade, pas trop reposé. Mais avant que t'ailles te reposer, je te fais une petite inspiration. Faut que j'augmente leur niveau, au moins ils me sont d'autant plus utiles quand je les emmène dans le donjon ou si je les sacrifie. Ah, faut que je construise des trucs comme ça. Ok, let's go. On va faire ça. Alors, construire des trucs pour récolter du bois et des trucs pour récolter de la pierre, de la roche. Je vais mettre 2 de bois et 1 de roche. C'est ça que je veux. Enfin, je vais transformer des ressources, mais après. Et je vais mettre le truc pour qu'il travaille plus vite. C'est d'inspirer un petit peu tout le monde là, qu'il soit content. Et ça, voilà. Si je mets ça, ils travaillent plus vite, donc ils vont construire aussi plus vite. Du fertilisant. Ça c'est bien. 8 fois Kuzake. Et ces petits qui dressent hérétiques qui maudissent notre mode de vie souhaitent vous rejoindre. Les hypocrites, que comptez-vous faire? Ouais, d'accord. Excepte les rebelles là, on verra. Plus tard. Quand j'aurai des morts. Ensuite. Je vais regarder les ressources qu'il y a ici. Voilà, du bois, c'est très bien. On va mettre des trucs à construire, ben voilà. Très bien. Notamment... ça. Baston ! Bonsoir, DJ ! Comment tu vas-tu? Ah, ils ont faim! Mais c'est ça que je vais faire depuis une heure! 5 plats de viande supérieure!
bien ça. Non, j'en ai raté un. Ah, il faut que je fasse de la bouffe ici. Ah non, je me suis trompé. C'est ça que je mets ici. Bon, de toute façon, ça n'a pas de sens, mes récoltes. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, ça génère des ressources à chaque fois qu'il bouffe ça, c'est trop bien. Ah, joue le gré. Allez. C'est vrai que je pourrais faire aussi une baston parce que j'ai des trucs... comment dire? J'ai un rituel qui pousse les... Un rituel de baston. C'est là que c'est meilleur. La reine, voilà. Merci Sacrifiction. On entend beuler, c'est les encouragements que je donne à mes adeptes. Et il y a de la contribution en plus, ça serait trop bien. Ah, j'avais déjà fait. Il faut que j'encourage. Petit Dan, tiens. Non, je laisse dedans. Déjà fait, non bah d'accord, je vais laisser comme ça. Alors, je vais peut-être aller pêcher un petit peu parce qu'ils ont encore faim et que niveau bouffe, ça va en vrai. Oh merci. Encore. Ah, je vais peut-être upgrader. Non, pas encore. Et on va faire, je crois qu'on peut faire une petite... Un petit sermon. B, c'est un mot qui est sorti d'elle. J'imagine qu'il y a une référence à une chanson mais que je ne connais pas. Ah, belle. Ça. Belle. Nanana. Malade, elle a besoin d'un peu de toute urgence. Bah il est où aussi? Qu'est-ce qui me fait... Il est surposé. Il est où le malade? Ah, il est là. Bah va te reposer enfin, qu'est-ce que t'attends? Ah oui, bah voilà, j'ai trouvé après. Mais non. Ah, c'est pas toi que je veux parler, c'est toi. Voilà, va te reposer. Ok, I've got some sous-sous. Non, 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 non. On va construire un peu des décos. Parce que j'en ai plein. Ah, c'est joli, ça. Bouger avec crâne. Cimetière, en logique. Parce qu'en plus, les décorations, en dehors du fait que c'est sympa, c'est utile pour mon culte qui vénère les idoles. Voilà. Ah oui, d'accord. Je peux mettre vraiment le seul que je veux, ça me demande rien.
Et le sol doré alors, il est bien? T'as mis dans la cuisine sans faire exprès? Oui, ici c'était volontaire. Attendez. On va mettre un sol en mosaïque. Oh, un plancher pour dodo. Ma petite zone de plancher là, pour quand on fait dodo. Ça me semble bien. Ensuite. Les mosaïques de cuisine. Bien ça. Trop bizarre, ça s'enchaîne très très mal. Et enfin... Oh, j'avais un sol en briques, c'est pour les chemins ça. Hop, chemin pour aller là. Hop, chemin pour aller là. Chemin pour aller... Là, il y a un chemin là. Est-ce que je peux, hein? Je peux avec ce que j'ai. Là, un chemin. On va mettre des décos ici, c'est bien. Un chemin. On met un chemin là. Comme ça. Allez là. Là. Je suis pour supprimer. Voilà, j'ai supprimé. Non, mais pas de chemin là. Là on n'en met pas, par contre on en met un là. Là on en met un. Ici comme ça. Là il faut des chemins là. Voilà. Pour aller dans ces zones quoi. Un chemin. Ok. Là j'enlève. Alors là je mets. Ça c'est un chemin qui mène à la cuisine. S'en mêler les pieds la nuit, sinon c'est un souci. Montre un chemin plus discret. Putain, c'est affreux! C'est affreux! Voilà, petit chemin! Oh non, je vais mettre d'autres. Là, je vais pas mettre de chemin là. Tellement nawak, affreux. Bonne nuit petit grisou. J'espère que tu dormiras bien. Et à tôt bien. Sol sale. Oh ça me plaît bien ça pour les petits chemins de terre. Voilà. Ça, c'est les chemins de terre ça. Bon, je vais faire des décos en vrai, moi. Des vraies décos, je veux dire. Alors ça, c'est quoi? Trophée de l'équipe. Ouais, il y a client. Trophée d'animation, super. Un truc avec des cristaux, là. C'est joli, ça. Je mettrais, genre, là. Là, je sens bien. Là, c'est une zone avec des trucs avec des cristaux. Ensuite... Baril rempli d'ossements. On va mettre ça à côté de... la potence. Voilà. Un chemin en terre le fait mieux.
C'est des chemins. Hein, Dédé, fais pas de chemin. Ah, c'est pas sa prio. Un panneau pastoral, j'en mettrai, mais non. C'est vraiment dégueu ce que j'ai. Ok. En profiter pour aller pêcher un peu. Le temps qu'il fasse qu'il fasse jour. Et la lumière fut. Oh, un bras zéro, c'est sympa ça. J'ai acheté un bras zéro, je pense. Combien j'ai que 25 pièces. Je suis vraiment. C'est vraiment un super sens des prios. J'avais un truc à faire ici, je crois. Je sais plus. Je peux pêcher n'importe comment, lui. Un dernier, puis on bouge. Juste histoire d'avoir toujours un peu de bouffe. Bon, le gros dernier, quand même. Mais je sais plus ce que c'est. Vive dehors le pêcheur. Quelque chose cloche chez lui. On dirait presque que c'est un... Ah mais non. Ça n'a aucun sens. Ah. Je vais parler au type dehors alors. Ah je peux lui vendre des trucs spéciaux. Ah non je peux acheter. Mais je veux pas acheter moi. Hein. Je veux vendre. Je peux lui vendre. À la cabane solitaire, on va faire un petit pari pour avoir des sous. Je suis trop forte. Du coup, on va affronter celui-là et on va faire la pari max. Alors, je vais gagner parce que je crois que j'ai plus rien après. Mais bon, ils ok. J'espère avoir plusieurs 6. Oh non! Non, je joue mal. Non, je joue très mal. Il faut un 6. C'est pas un 6. Il m'éclate la gueule. Il faut un 6.
Nice. Il va gagner! Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Vas-y, c'est trop hardstone en vrai. Sûrement. Moi, ça me fait beaucoup penser à la musique du Gwent, donc bon. Non, mais ça va, pourquoi je panique? Oula. Bouger mon bras, ça fait un gros bruit. Genre, t'en fais une, hein. Les parties sont très rapides et c'est 20 pièces à chaque fois. Je vais refaire au moins une et puis après on bouge. Mais je suis en normal aussi, je suis sûre qu'en difficile les parties sont aussi plus difficiles. On me please des 1 quoi. Oh mal. Donc là, mes 4 ils sont gardés pour toujours. Ouais, je vais... C'est même plus bon. Oh, c'est ordinaire. Non mais un 1 encore. Hop hein. Encore un 1. Je vais péter un câble. Ah, j'ai quand même gagné, mais punaise. J'ai vraiment pas eu de chance. Gueule. Hi, ça c'est quoi ça? Compost. Déposer l'herbe pour transformer en fertilisant. C'est bien ça, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Feu purificateur. Allez voir un feu purificateur qui permet de récolter plus de dévotion. Ok. Rituel rapide. Mieux le temps d'en charge des rituels de 50%. Oh bah ça je prends. Après on pourra passer au niveau sup. Hein. Faudrait que je le fasse quand même. J'inspire un petit peu là. Ah. Oh, Cléso, il est encore tout vieux. Ah, j'en ai que deux. C'est un échec, je n'avais pas la force nécessaire, pardon. Bah super, c'est du loser. Le mien nous a quitté. Ah ça se passe comme ça. Il avait 93% de chance de réussir je crois. Ça me dégoûte. On va faire un petit rituel hein. Sacrifixion, les oubis. Moi, je vais pas tarder aussi, j'ai mal. Allez me poser. Et du coup, dernier truc à débloquer. Augmente le niveau de base de vos armes. Toujours en lurk, mais sans son. D'accord. Bah, du coup, si je réponds, il m'entendra pas. Du coup, salut.
Véronique, salut Véro. Faut que je fasse à manger. Faut que je vérifie la propreté. Je vais pas tarder. Un petit peu de bouffe. Faut que j'envoie quelqu'un nettoyer. Ça me saoule. Pour toi. Inspire hein, déjà. Je sais qu'il me donne soir une bonne nuit. Je vais mettre de la viande dans le torchon. Ça marche. Bon torchonnage, bonne nuit. Je vais faire un truc. Et des zoubis. Je rappelle que demain, on va découvrir Core Keeper avec Lix. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Et après, on fera autre chose, je pense, en deuxième partie de soirée. Quoique, je travaille vendredi, donc on verra. Et on va y faire un truc, j'ai oublié ce que c'est. Ah bah, le nettoyage, mais il n'y a pas de nettoyage à faire. Ah si. Mais c'est à quoi le poste de nettoyeur, en vrai? Où je peux pas envoyer les gens nettoyer. I don't understand. Oui, là c'était ça. Pourquoi je pouvais pas envoyer quelqu'un nettoyer le caca? Je voulais voir. Il est malade. Faire plus de trucs de construction. De récolte de bois surtout. Est-ce que j'en manque un de fou même hein? Est-ce que j'envoie quelqu'un en mission chercher des sous? Bon. Ah, petite Annie, il y a 88% de chances de réussir. Allez, va chercher des sous. Il va bien se coucher, lui. De chance de récolter de la viande. Et ben let's go. On va envoyer faire de la viande. Voilà. Là ça bosse. Ah bah non, ça bosse pas beaucoup. Non mais ils sont cons aussi, regardez. Là, le perso, il est venu de là-haut prendre un caca pour le déposer ici, alors que j'en ai mis un là. J'ai fait exprès ça, bah ça marche pas du tout. Ah non, il est plein. Il est pas plein, celui-là. Il était vide. Peut-être pour ça. Ça joue peut-être un peu. Ok. Bon. Et eh ben je vais y aller, je pense. J'ai mal, je suis désolée. Des bisous VOD. On verra si jamais sur YouTube.